Une affaire en or. Ouais. Big business, monsieur Bondy. Big business. Il y en a des centaines, on dirait des enfants de 10, 12 ans, verts. Verts? C'était des grenouilles. Vert, doré, noir, décoloré, jaune, blanc. Ah oh, qu'est-ce que c'est? Chérie! C'est rien! C'est un triton non, un petit dieu de la mer! Il est venu te rendre hommage! Regarde, il t'a apporté une perle! Une perle! Oh, j'adore les perles! Une artiste attaquée par des monstres marins! Des grenouilles géantes aux Seychelles! À quoi cela ressemble à un cri de salamandre? C'est un cri et pas un vrai langage. Nos salamandres seront traitées avec d'autant plus d'humanité qu'à partir de ce jour, elles vont avoir un prix. Ah. Elles seront cotées en bourse. Ah. Et de nos jours, c'est la meilleure garantie pour être bien traitées, n'est-ce pas? En tout cas, que reçoivent-elles de nous? Ce qu'il y a de plus médiocre, de plus mesquin, une caricature de la civilisation humaine. Chérie, chérie, voyons! Oh, Louisiane! Les rafales atteignent 400 km/h! Les digues du Mississippi menacent de rompre! Un spectacle de cauchemar! Ici Chief Salamander, mes sincères condoléances pour la Louisiane. Nous avons besoin de plus d'espace. Aujourd'hui, il est encore question d'un prix. Mais lorsqu'il ne restera plus des continents que des nouilles, des spaghettis, des coquillettes, quand un bras de mer remontera jusqu'à Paris, nos clients ne vous donneront plus un sou. Négocier. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mesdames, messieurs, cette nuit la mer est montée de plus d'un mètre dans toute la région de Venise. Ce sont les forages sous-marins des équipes de salamandres qui travaillaient à la construction d'hôtels de luxe qui ont déstabilisé tout le périmètre côtier. Aujourd'hui, à 3h du matin, Venise n'existe plus. À bas les sentiments gnangnan, elles vont nous remplacer. Après nous, les salamandres. Après nous, les salamandres.